Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on vide un œuf entier sans le casser et pour pouvoir le décorer ensuite pour décorer la table lors des fêtes de Pâques. Voilà, je vais commencer juste après. Bonjour à tous, aujourd'hui avec Célia, on va vous présenter les œufs de Pâques. Comme je vous y disais dans la vidéo précédente, on a vidé les œufs, donc je vous ai montré dans une autre vidéo qu'on pouvait vider les œufs sans les casser. Regardez, j'ai juste fait un trou ici, un trou ici. On les a bien vidés, bien séchés, nettoyés et maintenant nous allons les peindre. Alors, on a prévu quelques couleurs, on est resté sur des couleurs primaires, du rouge, du jaune, il y a quoi encore Célia? Du vert. Du vert et aussi des paillettes. Des paillettes, et ouais, parce que nous on adore les paillettes, hein? Oui. Alors c'est parti, on a pris plusieurs pinceaux, on va commencer par celui-là. Oui. On va le mettre sur le petit support, on a acheté un petit support pour poser l'œuf, comme ça c'est plus facile. Je te laisse faire, Célia. Tu veux faire quoi? Quelle couleur en premier? Les pailletés. Allez, vas-y. Oui. Ouais. Alors, on a fait... Enfin, c'est Célia qui l'a fait, le premier œuf. Je vous montre. Faut pas que je le fasse tomber, hein. Elle a mis, du coup, un petit peu de paillettes et un petit peu de couleur. On va faire le suivant? Oui! Allez, vas-y. Ok. Bon, je vais commencer par le jaune. Paillette jaune. Paillette jaune. C'est trop beau. Maintenant, je vais faire que des paillettes, ok? Que des paillettes sur celui-là? Ouais, c'est trop beau. Allez, vas-y. Tellement j'adore les paillettes. Je coupe la vidéo et je vous montre après. Bonjour. Voilà, donc j'ai coupé un petit peu la vidéo parce que c'est très très long sinon. Mais elle a fait, du coup, le deuxième, tu l'as fait comment? Tu peux dire? Pailleté. Voilà, elle a voulu faire que des paillettes. Et sur celui-ci, il y a eu un petit bug. Il s'est cassé lorsque j'ai soufflé pour le vider. Mais c'est pas grave. On a le petit couvercle qui est là. Et là, je suis en train de le faire tout en rouge, parce que j'ai envie de le faire tout en rouge, celui-ci. Et ensuite, une fois que ça sera sec, j'ai envie d'écrire dessus avec un marqueur permanent « Joyeuse Pâques ». Voilà, on va noter « Joyeuse Pâques » et puis peut-être ton prénom. Tu vas marquer ton prénom dessus, non? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Célia. Eh oui. Hop,
On va les poser ici. Et là, on va les laisser. Je sais. Tu as envie d'écrire Cécile? Ouais. C'est quoi déjà? Mon prénom, Cécile. Oui, c'est quoi? Ah bah, je te montrerai. On va vous montrer aussi le petit support que Célia a fait. Donc, je le trouve en plus super joli. Là, elle a mis du vert et du jaune. Ça te plaît ce que tu as fait? Oui. Et là, ici, un peu plus de couleurs. En fait, il y avait du bleu. Et du coup, avec la mélange de couleurs, ça a fait un peu du violet, du marron. Ça, c'est joli. Ça a fait un peu toutes les couleurs. Donc, Mais ça fait un peu joli. Hein. Oui, ça fait joli. Là, il y a les pieds. Les pieds. En bois. En bois. Et ensuite, hop, et ça ensuite, fait un petit. Un petit. Présentoir. Présentoir. Regardez. Regardez. Pourquoi tu répètes tout ce que je dis? C'est pénible. Non, c'est pénible, non? Et ensuite, on pourra mettre les œufs dessus. Ok. Ça fait une belle déco de table, hein? Oui. Oui? Allez, on vous dit au revoir. Au revoir, Yaku. Et à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.